soumets-toi. Soumets-toi, moi. Je suis à l'intérieur de toi, orc. Je t'ai pénétré. De l'esprit. Un message pour ton chef de guerre. Dis-lui que Cyril arrive et qu'est venu le temps de la bataille. Laissez-moi juste deux minutes pour établir une petite stratégie. Merci. Bonsoir! Préparez-vous à vivre une bataille épique. Nous sommes sur la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Faut que je m'installe pour vous expliquer. Il y a toujours une petite préparation avant une bataille. Hein. Faut pas partir comme ça au front. J'ai bien saigné le jeu pour être à un moment intéressant, et ça s'annonce plutôt pas mal. Excellent. La forteresse de Nurn. Une forteresse qui ne saurait me résister. Nous allons réaliser ma première attaque de forteresse. On va donc... Il va donc y avoir... Donc... Ici, il va y avoir... On va tout faire péter. Je me suis donc formé une armée pour pouvoir attaquer cette forteresse. Donc là, il va y avoir une grosse bataille. Je vais vous montrer un petit peu mon armée. Alors, bon, elle n'est pas totalement complète. J'ai laissé un petit peu de suspense. Alors ici, vous avez tout l'effectif de la forteresse ennemie. Donc à la base, ce ne sont que des ennemis. Ce que vous pouvez faire, c'est vous infiltrer et recruter, par exemple ici, des capitaines. Ici, des chefs de guerre. Et ici, vous avez le chef suprême. Donc le chef suprême, ça va être un petit peu compliqué. Lui, il va falloir le tuer. Mais les autres, vous pouvez les prendre dans votre armée. Par exemple, regardez, Bruce le Trancheur, c'est mon ami. C'est un super pote. Alors à la base, il voulait me tuer. J'ai su utiliser les beaux mots. Vous pouvez tout simplement vaincre les capitaines et les chefs de guerre pour ensuite leur dire: cousin, si tu veux pas mourir, viens. Parfois, il y en a, ils veulent pas. Et bah c'est simple, hein. Paf, paf, on laisse des petits cadavres sur la route. Donc ça, par exemple, c'est des capitaines qui ont pas voulu rejoindre mon armée et je les ai tués. Il faudrait beaucoup plus qu'une simple vidéo pour vous montrer tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez découvrir aussi. Il peut y avoir des trahisons, des alliances. Vous avez des gardes du corps qui protègent les chefs de guerre. Donc il faut trouver qui tuer, comment, pourquoi. C'est vraiment long et c'est vraiment pas mal. Donc pour cette vidéo, j'ai vraiment essayé de former une armée intéressante. Donc j'ai placé des espions sur la forteresse, comme ça pendant l'attaque on aura des petites entrées tranquilles, mais il y a toujours des capitaines ennemis. Il va y avoir des bonnes bastons, quoi, des bonnes batailles. Et c'est parti. Pardon, j'ai une bataille à faire. Et c'est parti. Bon, si t'élimines le chef suprême, le fort est à toi. Alors, qui tu comptes emmener à part moi? Je vais prendre avec moi deux meneurs d'attaque. On va prendre Bruse, le trancheur, très sympa. Skak, l'aliéné. Filou toxique. Ok, j'ai mes deux meneurs d'attaque. Et c'est parti, hein. Que la bataille commence! J'ai attendu ce moment depuis bien longtemps. Je me suis créé ma propre armée. Oh là 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 là! Ça, c'est mes acolytes, hein. Il est là, c'est lui. Ce fort est indestructible. Il est vraiment pas content. À l'attaque! Ouais! Allez-y, défoncez-lui sa mère! Eh, c'est parti, retourne au combat, toi! Vas-y, c'est ça, défonce le mur. Tu vas en avoir pour un petit moment, je pense, hein. Je vais capturer le point. Touche! C'est mon terre-terre! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Une simple ruse nous a suffi. C'est mon espion! Hé! Je vais aider mes potes! Oh, oh. Ah. Allez, on donne tout, les gars! On se laisse pas faire! Allez, allez! Eh, hey, je te paye pas pour rien! Oh. Excellent, ça! Bien! C'est mon quartier! Touche! Ça, c'est mon soldat, ça! J'adore conquérir des forts. T'inquiète. Quand celui-ci sera à toi, il te faudra un suzerain. Je te propose ma candidature. Le gars, on a pas encore conquis la forteresse, il veut déjà une promotion. Ok, je vais aller m'occuper maintenant du chef suprême. Tiens, 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 le chef suprême. Cette forteresse appartient désormais au Seigneur de Lumière. Et il a deux têtes. Ah. C'est qui? J'entends rien avec ce truc. Je savais que je la connaissais, cette voix. Ratbag. Tous les deux, on en a marre de jouer chef suprême. C'est pénible. Il faut nourrir ses partisans, entraîner ses partisans, tâcher de pas se faire tuer par ses partisans. Oh, bah tes soucis sont terminés. C'est moi, le nouveau chef suprême. Pas toi, n'importe qui sauf toi. Bruce doit pas devenir chef suprême. Zupakin. Moi, je bosse pas pour ces deux-là, je te le dis sans détour. Parce qu'en ce moment, on ne recrute pas des... Ne fais pas attention à leur chamaillerie. Ils peuvent être utiles, mais il faut choisir soigneusement notre chef suprême. Je n'aurais pas dit mieux. J'impose. Allez. Le Mordor est à vous. Il appartient au Seigneur de Lumière. Easy. En fait, j'ai tellement bien préparé le truc que finalement, ça s'est fait tout seul. Le fait d'avoir mis des espions, tout ça... Je dois nommer le chef suprême. Toi, tu vas être chef suprême. Allez, une petite promotion. Allez, ça part. Et voilà. Cette victoire m'a donné chaud. Allez, allez, ça part, ça part à la cantine. Et ça pioche, et ça pioche. Tu vas me creuser ça jusqu'à ce qu'on trouve de l'or.
Ok, je peux attaquer le fort des autres du coup. Bah on va se faire ça, hein, ça va partir. Hein, On va tenter les conquêtes en ligne. Entrez dans le monde d'un autre joueur pour vous emparer de son fort. J'arrive. Ok, donc on va s'attaquer au fort de Latte Choco. Ok, donc là on s'attaque à la forteresse d'un autre joueur. Autant te dire que quand il va se reconnecter, il va avoir un peu le seum. J'arrive, Latte Choco, c'est moi, c'est Cyril. Et elle est belle. À l'attaque. Ok, c'est parti. On se fait déglinguer. Oh lolo. Bien joué les gars, excellent. Eh, Latte Choco, putain merde. Il est chaud Latte Choco. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Touche, 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 touche. Ça c'est un capitaine. Vermine espère prendre notre fort. Avec plaisir, je vais te prendre ton fort. Ok, je vais le posséder. Laisse-toi faire. Voilà, possession. Je rentre en toi. Ok, donc maintenant je l'ai soumis. Je peux soit le rabaisser devant tout le monde, chose que j'apprécie, ou alors le recruter. Moi je vais le recruter. Rejoins l'armée de la lumière. J'ai besoin de soldats, je t'avouerai. Je ferai ce que tu voudras. Allez, bats-toi à nos côtés. C'est mon terre-terre. Oh lolo, je suis beaucoup trop chaud. Allez les gars, on y va, c'est parti. Yes. Il y a un mec qui a volé là-bas. Tu t'empares de cette forteresse. Ouais. Et après, tu ne changeras pas ta destinée. Ferme ta gueule et paf. Laisse-toi posséder. Je te domine. Alors lui, j'aimerais le rabaisser. Tu ne mérites pas ma larme. Victime. Je ne vois pas. Il est perturbé là. Oh, je lui ai mis la misère lui. Pénétrer dans le donjon et affronter le chef suprême. Bon, j'y vais les gars, salut hein. Waouh, stylé. Très beau château hein. Oh, je peux vous dire que ma forteresse à côté... Bonsoir, vous êtes le chef suprême de Latte Choco. Moi c'est Cyril. Je viens prendre possession des lieux hein quoi. Oh ouais, mais attends, il y a tous ces capitaines et tout. Merde, j'ai oublié ça. Tu as du cœur au ventre pour venir ici. Oui. Ah oui, il a l'air chaud quand même. Je sais pas, c'est... Peut-être que Latte Choco, on peut peut-être s'envoyer des messages... Bon. Eh merde. Viens, je m'attaque au plus gros d'abord. Voilà. Ah. Saloperie. Le touche. Hello. Oh merde, je l'ai tué. Putain, je voulais le chevaucher. Au suivant. Ah, il y en a un deuxième, excellent. Et c'est parti. Ah. Yeah. Et voilà le travail. Ah, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Oh non. Ça n'en finit jamais. Rien ne peut m'arrêter. C'est terminé pour toi, chef suprême. Soumets-toi. Moi, je vais le recruter, tiens. Allez hop. Merci, Latte Choco. Touche. Vous avez triomphé de la forteresse de Latte Choco. Et un peu, mon neveu. Alors, on va s'occuper un peu de nos troupes. Ok, donc je vais faire en sorte que lui protège le chef de guerre. Si jamais quelqu'un attaque ma forteresse, ce sera plus simple pour la défendre. Soumission. On va prendre quelques infos. Donc là, je suis en train de pénétrer l'esprit d'un ennemi pour avoir plus d'infos, par exemple, sur lui. Zong sang de grenouille. Petit enculé. Je vais lui envoyer une menace de mort. Je crois qu'il est pas content. Merci pour l'info, dégage. Ok, donc maintenant j'ai un ennemi juré. Honorer la menace de mort. On va aller le chercher, comme ça je vais gagner un petit peu plus de bonus. Et je vais affaiblir les forces ennemies en tuant le capitaine. Alright, alright. Quick. Et quick. Olé. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Je me mets en mode espion de l'extrême. Ok. Je sais, c'est moi qui crie un homme. Et c'est parti. Simple. Et voilà le travail, monsieur. Personne ne peut me résister. Hop, on ne fait que passer. Ok, les lobos, 500 pieds. Qu'est-ce qui se passe? Oh la base, oh putain. Ça c'est... Bah super, l'entente chez les orques. On va en profiter pour se barrer. Il est là-bas. Tu penses m'avoir débusqué, Tark? Ouais. Mais en fait, la proie, c'est toi. Il m'a pas vu, je m'en fous. Ah, je survis. Un vrai Uruk se bat avec des armes, pas des mots. Ok, d'accord, donc clairement ma menace de mort n'a rien fait. Il a l'air très confiant, j'aime pas ça. Calme-toi, Didier. Ce qui sait pas, c'est que moi je me suis renseigné avec mes espions. Hop, alors c'est quoi ses points faibles? Les attaques furtives lui infligent d'importants dégâts. Dégâts par exécution et par explosion. Ouh, qu'est-ce qu'il me fait? Allez, tiens, prends ça. Ta. Oh, il est coriace. Pas assez rapide. Mais pas assez pour moi. Deux. Tu peux pas presser. Oh le salaud. Je survis. Touche. La puissance. Et voilà. Et c'est terminé pour toi, capitaine. Soumets-toi. Ouais, la soumission, c'est ce que tu préfères hein. Bah lui, je vais le tuer. Il m'a saoulé. T'as trop fait le malin. Et paf. Le claque au final.
Et voilà. Terminé, bonsoir. C'est qui ça? Scan l'aliéné. Vengeance de frère de sang. Ah, le bâtard! C'est celui qui était là tout à l'heure. Il est en train de me trahir. Saloperie! Trahison! Ok, donc lui, c'est un mec que j'avais recruté tout à l'heure. Mais en fait, quand je l'ai possédé, il a totalement perdu la raison. Du coup, on l'appelle l'aliéné maintenant. Sauf qu'il vient de me trahir. Calme-toi, l'aliéné! Oh! Oh! Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Cracole le marionniste! J'ai de la chance! Mes gars ont vu que tu peinais. Et je suis venu te sauver. C'est énorme ce qui se passe. Je peux même pas t'en sortir tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te savais faible. Okay. Mais là, c'est vraiment consternant. Alors, pause. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai tué le chef esclavagiste. L'aliéné m'a trahi parce que j'ai tué le chef esclavagiste. Sauf que Cracole le marionnettiste a tué l'aliéné. Il essayait de me tuer, mais le bûcheron est venu à la rescousse. D'accord. Et ben, on va niquer sa mère. Calme-toi, le bûcheron. Non, non. Ah. Alors, nouveau capitaine inconnu. Oh non, ils ont rajouté des capitaines. Ok, donc comme il a gagné la bataille, il a été promu, il a gagné des hommes et il a mis des nouveaux capitaines. Super, c'est génial ce qui se passe. Il y a des retournements de situation tous les 3 minutes. Donc le jeu est en open world, on peut faire les quêtes que l'on veut. Donc on va faire une petite quête pour finir. Targoroth cherche à s'extraire des entrailles de Gorgoroth. Il ne faut surtout pas qu'il atteigne la surface. Le Balrog. Hop, j'y vais direct, c'est parti. Le Balrog remonte de sa fosse. Mais non. Et nous devons le renvoyer dans les profondeurs. Gandalf style. On va faire comme Gandalf, on va se battre contre le Balrog. Vous savez, le Balrog, c'est le gros monstre là qui le tire vers le bas. Fuyez, pauvre fou. Je fais bien. Viens rejoindre l'armée des ténèbres. Calme-toi, cousin, calme-toi. Viens à nous. Reste tranquille, j'arrive, viens. Reste tranquille. Viens. Il est clairement en train de s'extasier. Gandalf a réussi à le vaincre, je peux le faire. Ok, il faut que je triomphe du capitaine d'abord. Nous passons en mode espion. Flock. Hop. 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 Hop là. J'ai envie de le posséder lui. Tiens, allez, à genoux. Calme-toi, calme-toi. Oh. Je vais d'abord m'occuper de tous les acolytes. Et ensuite j'irai tuer le capitaine. Oh merde. Désolé. Youhou. Ça c'est du talent. Salut. Oh le bâtard. Non! Ah. Quel honneur de rencontrer le mort le plus célèbre du Mordor. Ouais, je sais, après ouais. Ça... Tiens! Oh là, j'ai mis le tarif, hein. Je vais le finir! Ne sois pas triste. On se recroise. Non! Ah, il s'est barré, le salaud! Sauter dans la fosse. Le Balrog s'éveille. Faut que je saute où? Le laisseront pas. Wow! Et c'est parti! Je ne suis pas du tout prêt pour ce combat. Vas-y, premier essai, là. Idiot. On ne dresse pas un Balrog. Tu as raison, je ne dresse pas les Balrogs. Je les tue. Wouah. Ah ouais, ça va être compliqué. D'accord, ok, bon bah la vidéo s'arrête ici. Salut, il allez. Est trop fort, Celebrimbor. Sauf si nous avons l'esprit de Karnan à nos côtés. Ah, ah bah je reviens alors. Éveillé par l'anneau, les flammes brûlent. Vous l'avez éveillé. Eh, c'est barré là, tu vois. J'assume pas. Ah bah ça va, je suis pas tout seul. Vous êtes sûr que je peux le tuer? Putain, il est en train de défoncer. Attaquer avec un tir chargé. Touche. Ah oui. Bonsoir. Je ne fais que passer. Bah. Ah, dis, nique lui sa mère là. Oh, le battle. Feu. Fuyez, pauvre fou. Touche. Oh, j'ai plus en arrière, moi. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est en train d'évoluer. Ouais, let's go, là, let's go. Il est où, là? Reviens ici, saloperie. Tu ne peux pas fuir l'éternel Karnan. Ouais, je suis à fond dedans, désolé. La castagne. Peu. Oh, lolo. Oh, lolo. Nique-lui sa mère. Il l'a mérité. Hé, hey, c'est toi? C'est toi qui as niqué Gandalf? Tiens, calme-toi, là, avec ton lasso. Indiana Jones. Oula. Ah oui, bah là, c'est le tarif, hein. J'arrive pas à la voir, j'arrive pas à la voir. Tiens, bon, je l'ai, je l'ai. Push. 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 Oh, il est en train de déglinguer. Oh, lolo, lolo. Non, non, je t'ai tué normalement, calme-toi, hein. Oh, il est reparti. J'arrive. Position délicate pour le joueur français qui tente de tenir ce duo de choc. Oula, il y a clairement eu un assassinat, là. Du coup, je... Moi, je peux rentrer chez moi. Ah, bah non. Pas de repos pour dis-moi que je vais monter dessus. Viens me chercher. Tu m'as oublié, cousin. Ah bah c'est fini. Elle montre une puissance réellement extraordinaire. L'esprit de Karnan a vu la destruction de la Terre du Milieu et sa renaissance de nombreuses fois.
Elle était là avant notre existence. Et elle sera là bien après notre trépas. Waouh ! Franchement, on en aura tout vu dans cette vidéo. Entre les trahisons, la prise de forteresse, le Balrog. Là, je voulais juste faire une vidéo prise de forteresse, tranquille. Je vois que ça part en couille. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment fait au mieux pour vous proposer une des meilleures vidéos possibles. Parce qu'il y a tellement de choses à faire pour que la vidéo soit bien sur ce jeu. Mais là, franchement, je pense qu'on a vraiment été au top. Parce qu'il y a eu les Némésis, les ennemis jurés, les trahisons, les forteresses, les combats épiques. Je suis content. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, si c'est le cas, de laisser un pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. On se retrouve pour des prochaines vidéos. À bientôt.